Je m'appelle Catherine Epstein et je suis consultante marketing. Donc, j'ai créé mon cabinet de conseil en 2012 et j'accompagne les entreprises dans leur développement pour qu'ils aient plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Voilà. Et j'interviens également à l'IUT et dans d'autres écoles, mais voilà, à l'IUT, j'interviens en deuxième année de Infocom numérique, donc Infonum, sur la stratégie de communication numérique. Voilà, et j'interviens à l'IUT depuis 6 ou 7 ans. Et la majorité des étudiants viennent du bac, hein, donc ils sont en bac plus 2. Donc il y a trois sections en fait à Infocom. Il y a Infocom donc communication, Infocom numérique et Infocom patrimoine. Donc moi j'interviens sur les numériques. Donc là ce sont des étudiants qui vont être très pertinents au niveau de la gestion de la donnée. Donc c'est hyper large parce que c'est gérer de la donnée sur du site web, ils ont des cours de référencement, ils ont la gestion des données d'un point de vue légal, enfin c'est vraiment assez varié. Alors après l'IUT, souvent ils continuent, parce qu'il m'arrive d'en retrouver en Master 2 dans d'autres établissements ou à la fac. Donc voilà, souvent ils continuent. Et après, quel type de métier? Alors les types de métiers autour des données, donc les données c'est de l'information, donc il y en a partout de l'information. On peut en trouver, c'est tous les formulaires que vous allez remplir sur un site internet, où vous mettez nom, prénom, etc. Ça c'est des données que vous envoyez à l'entreprise. Et donc les entreprises gèrent toutes ces données. Donc ça peut être aussi des données du personnel, des données commerciales. Toutes ces informations, il faut qu'elles soient traitées, gérées, savoir à qui elles s'adressent, où est-ce qu'on les range, comment on les archive. Voilà, donc ça, c'est un type de débouché qui est très, très demandé aujourd'hui. Et après, il y a un truc qui est encore plus demandé, c'est tout l'aspect communication et publicité, où on va exploiter ce que les données qu'on va recueillir dans les magasins ou sur Internet, et qui vont nous permettre après de cibler les personnes pour leur envoyer les bonnes publicités au bon moment, etc. Voilà.